Good morning, allez, Iden, je suis trop aujourd'hui, le Nishmat Avraham Mordechai, Ben Israël, Ben David, Ben Fortuna, Mazal Fitna, et Dvorah Bat Esther. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions ici avec le votre récute, Gimel, Mishnah, Hey, Aposek Ma'ot, Lachatano, ou Pachat Lo et Taregel, Teshev, Adjei, Alvin, Rocha. Admon en mer, Yacholai, Chetomar, Illouani, Pasakti, Leatzmi, Eshev, Adjei, Alvin, Roji, Arshav, Shaba, Pasak, Alai. Mani chola la sante, oknos, optor. Amraban Gamliel, Rouyani Divra Admon. Nous avons ici le troisième halakha que Admon a instauré à Yerushalayim de suivre. Et que la halakha va être établie comme lui, justement. Et je traduis le cas d'abord. Posek ma'ot la chatano. Celui qui a fixé qu'il allait donner une dot à son chatan, à son gendre, au moment du fiançaille. Et après quoi, ou pachatlo et taregel. Alors là, ça veut dire quoi le mot pachatlo et taregel? En un mot, ça veut dire qu'il l'a planté. On ne va pas traîner dessus. Je vous expliquerai après c'est quoi le mot pachatlo et taregel. La troisième expression dans le Bartanora, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette expression? Pachatlo et taregel, c'est signe qu'il a tendu le pied. Qui tend le pied à faire quoi? Il a mis un coup de pied, il a voulu. C'est quoi lui tendre le pied? Ça veut dire qu'en fait, il a planté. En bon français, ça se dit, il y a un mot super, il a planté. Là, pachatlo et taregel. Alors la Mishnah me dit, mais Teshev Achitalbin Rocha. La pauvre fille, elle devra rester dans la maison de son père jusqu'à qu'elle va devenir pleine de cheveux blancs. Soit. Je vais d'abord vous faire le Pachat Loterigal. Pachat Loterigal, c'est une quoi qu'il a planté, qu'est-ce que ça signifie? Alors, trois explications il apporte le Bartenois. Le premier, c'est que il vient me dire, hé, hey, beau papa, tu me dois, tu m'as promis 100 000 shekels. Et moi, je lui dis, tiens, ma chaussure, tu vois, il y a de la terre, tu veux me nettoyer la terre, s'il te plaît? Ça, c'est la première expression de Pachat Loterigal. Deuxième exemple de Pachat Lo et Taregel, c'est dit, j'ai pas d'argent, si tu veux, tu sais quoi? Prends-moi par le pied jusqu'à que je vais te payer. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai pas d'argent de donner. Et il y a le Rambam qui explique Pachat Lo et Taregel, c'est-à-dire qu'il est parti loin d'ici. Peu importe, l'un ou l'autre, on a bien compris qu'il l'a planté. Il s'est engagé à lui donner une somme. Maintenant, on va faire un petit peu le point. Lorsque je me fiance, avec les roussines de la Torah, de l'époque, quoi. On écrit une ktuva et le beau-père s'engage à donner aussi une part pour le couple, la dot. Après, maintenant, pour le moment, c'est pas le moment de la donner. Le jour où je vais vouloir, dans les 12 mois qui vont suivre, je vais vouloir maintenant, ça y est, on va vouloir concrétiser notre mariage, j'ai déjà acquis la femme, on va commencer à vivre en couple marié. On va prendre une maison et on va vivre ensemble. Maintenant, dès qu'on va faire ce qu'on appelle la choupa en fait, et on va la choupa, ça va devenir les nisouin, ça devient maintenant ma femme complètement. On va faire les shiva brachot, ça va devenir ma femme complètement, on va vivre ensemble. D'accord? On s'est engagé maintenant avec le beau-père que il me donne 100 000 jusqu'à telle date, en début Elul, je me marie avec sa fille, on a 5 séquences aujourd'hui, il s'est engagé à donner 200 000. D'accord? On en doute. On arrive maintenant une semaine avant Elul, il commence à me dire, ah, tu sais, je suis pas sûr d'avoir de l'argent. Je lui dis, tu sais quoi? Ta fille, pour le moment, tu l'as assise toi à la maison, et qu'elle attende gentiment, jusqu'à que tu aies de l'argent à nous donner. Et jusqu'à quand? Eh bien, jusqu'à, les années passeront. 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, elle va commencer à avoir des cheveux blancs, et le beau-père et le radin, il ne veut toujours pas payer, eh bien, tant pis. Pour le moment, sa fille, elle est bloquée. J'ai l'obligation de lui donner le guet, et ni j'ai l'obligation de me marier avec elle. Je la laisse telle qu'elle, jusqu'à qu'il décide de payer. D'accord? Ça, c'est la vie de Tanakama. Sur ça vient Admon, donc ce qui nous est Teshev chez Albin Rocha. Qu'elle s'assoit, qu'elle reste chez elle, jusqu'à que ses cheveux vont devenir blancs. Et sur ça, Admon vient et dit, non, c'est pas juste. Le beau-père, lui, ce Picsou ou ce Lavane, comme vous voulez, il a promis, puis finalement, il ne donne rien. C'est pas une raison de pénaliser sa pauvre fille. Qu'est-ce qu'elle a fait d'avoir la pauvre Rachel ou la pauvre Léa, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont un mauvais père qui s'appelle Lavan. Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi les pauvres, on va les pénaliser tellement? Alors c'est ce que Admon nous dit. Yicholai chez Thomas, elle peut prétendre, elle me dit, écoutez, je comprends qu'il y a un problème, c'est quelque chose de désagréable, mais que moi je me mette à vieillir, parce que la fille, elle ne peut pas aller se marier avec quelqu'un d'autre. Le mari, lui, c'est facile, il peut se marier avec 70 femmes s'il veut, selon la Torah. 18. D'accord, même peu. Non, je crois que tous les hommes, il a le droit d'avoir même plus que... Le Melech, il n'a pas le droit d'avoir plus que 18, mais l'homme, n'importe quel homme, il a le droit d'avoir plus. Il ne faut pas plus que 4, malgré tout, c'est président de l'Igmar dans Yvamot. Mais, question technique de roulement. Mais, concrètement, en tout cas, lui, il peut se marier, mais elle peut se marier avec personne d'autre. La femme, elle peut pas se marier avec deux hommes.
Alors qu'est-ce qu'elle va faire la pauvre? Alors c'est pour ça que Demon nous dit non, Yicholai Shetomar, elle peut prétendre. Ilou Ani Pasakti Nasri. Si moi j'avais promis de lui donner et que je le plante, je comprends que maintenant il m'égorge comme ça. Mais, et as, alors j'aurais compris que Eshev Atchalvin Roshi, que je vais rester assis jusqu'à que mes cheveux ils vont devenir blancs. Mais Arshav Shahaba Pasakli, mais maintenant que c'est mon père qui a parlé. Alors il a trop parlé, il a une trop grande bouche celui-là, qu'est-ce que je peux faire? Mani Cholala Sot, qu'est-ce que je peux faire? Alors, soit Okno, soit tu me maries sans argent, Optor, soit donne-moi un guet, au moins que j'aille refaire ma vie. Je ne vais pas rester toute ma vie plantée à cause d'un père qui parle, qui promet, qui ne tient pas sa parole. Et sur ça, Rabban Gamliel nous dit, Roé Adivradmon, je vois la justesse, je ne sais pas dire, le tzedek, des paroles de Admon. Et donc, et l'Alakha l'a établi sur ça comme Admon. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Tzachakol, tout sera.